Elles attendent ce moment avec impatience. Les mamies du quartier savent que le vendredi, la papothèque les attend. Eva et Camille sont en service civique. Elles vont les chercher à domicile. Un moment de partage qui apporte beaucoup. Du baume au cœur. Voilà, pour quelques jours. Voilà. Plat de pâtes à la main, Aïcha et son fils apportent leur petite contribution pour le repas du jour. À la papothèque, les anciens viennent manger, mais aussi rompre l'isolement. Du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est l'endroit où se retrouvent des gens qui ne se seraient pas retrouvés ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a des préjugés qui tombent. Il nous reste deux bouteilles d'eau rouge de la dernière fois. Au quartier du Lys Rouge, la précarité et les inégalités sont omniprésentes. Un tel lieu de vie est une bouffée d'oxygène. Le fait qu'elle soit dans un quartier comme là, le Lys Rouge, c'est important parce que du coup, les personnes du quartier voient qu'on peut faire aussi des choses pour eux. Et voilà, ça crée du lien entre toutes ces personnes, que ce soit aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Pour les anciens, le repas est gratuit, une condition essentielle à leur présence, tout autant que les échanges qu'ils y trouvent. Ça fait plaisir de ne pas être seul devant son assiette. Ça sent déjà un peu une sorte de skip. C'est pas comme quelqu'un toute seule à la maison. Moi, je suis toute seule entre quatre murs. Ouais. Voilà. Alors, ça m'apporte un peu de bonheur. Cette structure, Anouchka l'a imaginée, rêvée même. Après 20 ans de travail auprès de personnes âgées, elle a voulu leur donner plus d'importance et les ramener au cœur du quotidien des actifs. On peut avoir des amis à New York, à Tokyo, en un clic. Par contre, la voisine de palier, apprendre dans les journaux qu'elle est morte toute seule, pour moi, ça, c'est pas vraiment du progrès dans ce sens-là. Pour faire vivre la papothèque, Anouchka développe aussi des ateliers avec des professionnels qui lui donnent du temps en échange d'un loyer modeste. Une logique gagnant-gagnant qui ne la quitte pas.